Bonjour. Je vous propose de vous installer confortablement dans une assise pour une méditation de 20 minutes. Installez confortablement votre assise. Prenez soin de déposer votre bassin sur une chaise, un support ou même le sol, de manière à ressentir la même sensation sous vos deux ischions. Nous installons dans un premier temps la posture extérieure, le confort d'une part, et d'autre part, la verticalité, la position de votre colonne que vous cherchez à aligner le mieux possible, vertèbre après vertèbre, avec cette verticale imaginaire rejoignant le centre de la Terre. Et je vous invite à fermer vos paupières afin de vous intérioriser. Les paupières déposées délicatement sur vos globes oculaires. Laissez à venir à vous la sensation de votre bassin et de tout ce qui constitue votre ancrage, votre lien à la Terre. Laissez descendre le poids du corps en direction du centre de la Terre et en même temps relâchez vos épaules, les traits du visage. Venez habiter votre bassin en prenant conscience des mouvements respiratoires. Desserrez un petit peu la ceinture abdominale, relâchez et laissez votre ventre s'arrondir. Par le contact de l'air, par le contact des vêtements, sentez les mouvements respiratoires. D'une façon globale, dans tout votre corps. En un mot, laissez votre respiration naturelle s'installer en évitant les sous-titrages, les étiquettes. En étant témoin silencieux. Observez où ça respire de la façon la plus manifeste. Est-ce que vous ressentez davantage votre respiration dans votre abdomen, plutôt dans votre poitrine, plutôt dans la région susmamelonnaire ou bien au niveau des narines, en arrière du front, dans votre gorge. Observez ce qui se manifeste d'une façon la plus évidente. Et en même temps, notez comment votre respiration
se présente? Est-ce que elle est régulière? Est-ce qu'elle est parsemée de petits soupirs, de bâillements, ou bien est-elle empêchée par des tensions? Observez ce qui est. Car nous allons partir de ce qui est ici et maintenant. Je vous propose maintenant de venir placer votre attention à l'entrée de vos narines. Et de suivre le va-et-vient depuis l'entrée des narines à travers les cloisons nasales jusqu'au point situé entre les deux sourcils. Suivre la sensation inspiratoire et la sensation expiratoire dans ce petit triangle avec les narines, l'entrée des narines à la base et le point entre les deux sourcils au sommet du triangle. L'inspiration, sentez la fraîcheur sèche dans vos narines. En affinant un petit peu votre attention plutôt vers le bord intérieur des narines jusqu'au point entre les deux sourcils, un peu en arrière du front, et à l'expiration, dirigez plutôt votre attention sur les bords, le bord distal des narines jusqu'à la sortie des narines. Sentez la tiédeur un peu humide de l'air qui ressort des narines. Relâchez bien le tour de votre bouche, relâchez votre menton. Exercez-vous à suivre chaque inspiration et chaque expiration en mettant le focus bord intérieur des narines à l'inspiration, bord extérieur des narines pendant l'expiration. Puis laissez votre regard s'élargir à l'inspire en remontant jusque derrière l'écran frontal, en élargissant derrière l'écran frontal, peut-être jusqu'au temple, et à l'expire revenir vers le point entre les deux sourcils, suivre le trajet de l'air vers les bords extérieurs, dans les cloisons nasales jusqu'à la sortie des narines, tiède. Fraîcheur d'inspire, partez maintenant de la pointe du nez, vous remontez à l'intérieur jusqu'au point entre les deux sourcils, élargissez vers le front, derrière l'écran frontal, jusqu'au temple, peut-être la partie supérieure du crâne, et expirez. Redescendez mentalement par le trajet inverse, mais en prenant soin de suivre le bord distal de vos narines.
Essayez d'affiner toujours un petit peu plus, amener un petit peu plus de précision sur la sensation de cette partie du corps que vous parcourez. C'est bien relâché dans l'espace buccal, desserrer la gorge, muscler du cou. Sur votre prochaine inspiration, suivant toujours ce trajet de l'air depuis la pointe du nez, en remontant par les bords intérieurs des cloisons nasales jusqu'au point situé entre les deux sourcils, élargissez le front et venez ensuite vous installer mentalement dans la partie supérieure de votre crâne, comme si vous dessiniez un cercle à la hauteur de vos sourcils, un cercle faisant le tour du crâne. Vous vous installez mentalement dans ce volume situé entre le sommet du crâne et ce cercle. Voilà. Appréciez l'ambiance dans cet espace. Et à partir de cet espace, prenez conscience de l'espace au-dessus, l'espace sans forme au-dessus de votre crâne. Sentez l'ambiance. Élargissant votre conscience jusqu'à une limite, peut-être plus ou moins flou, une limite qui peut progressivement évoluer, s'élargir, et laisser faire, laisser la sensation évoluer librement, mais toujours en maintenant cette attention à partir de ce cercle jusqu'au sommet du crâne. Sentir votre lien, votre contact avec l'espace au-dessus, sans forme. Laissez cette sensation évoluer librement, juste en maintenant votre attention dans cet espace. Il n'y a rien à faire, juste être présent, présente. Accepter les pensées qui peuvent se présenter, les laisser glisser. En
maintenir votre pensée dans cet espace. Et en maintenant votre attention de la façon la plus douce et la plus souple possible, faites de temps à autre un flash sur vos narines. Peut-être pour vous rassurer que même si ce souffle est très discret, peut-être, il est toujours là, présent. Si vous vous sentez envahi de pensées, alors revenez dans une sensation, revenez dans une attention plus accrue sur le va-et-vient respiratoire à l'entrée des narines. Observez ce qui est là, acceptez. Si des tensions se manifestent dans une partie du corps, alors utilisez ce va-et-vient respiratoire comme une caresse mentale. Une caresse mentale qui vient adoucir les tensions. Venez vous localiser dans cette partie du corps située au-dessus des sourcils, jusqu'au sommet de la tête. Au contact de l'espace sans forme au-dessus de vous. Comme pour vous laisser nourrir par cet espace indéfini, mystérieux. Peut-être des pensées peut-il ralentir. Observez les sensations qui se succèdent les unes les autres, qui se transforment.
Et alors, contact, conscience du contact de votre corps avec le sol. Peut-être vos mains sont-elles déposées sur vos cuisses. Sentez le contact de vos mains sur vos cuisses. Partie du corps en contact avec d'autres parties de votre corps. Revenez dans la sensation maintenant de l'axe vertébral érigé vers le haut, comme un mât. Sentez votre assise d'une façon globale. Comment votre corps s'intègre dans l'espace. L'espace au-dessus de vous, mais également l'espace devant. L'espace derrière vous, l'espace à gauche et à droite, et l'espace en dessous de vous. Sentez votre corps dans son intégrité, dans cet espace. Prenez conscience de votre place dans l'espace. Revenez dans la sensation de ce corps qui respire. Ressentez les contacts de votre corps avec vos vêtements, avec l'air. Et puis progressivement, vous revenez à la surface, vous ouvrez vos paupières. Et puis vous vous étirez bien. Je vous invite à flexionner vos bras, vos épaules, tout votre buste. Dépliez vos jambes. Flexionnez. Et puis, tendez vos bras vers l'avant, inspirez depuis vos paumes des mains jusqu'à l'espace de la poitrine. Poumon plein, contenez l'énergie devant vous. Frottez vos mains, expirez, placez la main droite sous la main gauche. Et merci à vous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à vendredi prochain. À bientôt.